C'est un grand classique. Un mari, Sylvain Dromard, une épouse trompée, Laurence Dromard, une maîtresse, Muriel Bonin, un crime violent. J'étais cambriolé, ma femme, elle est par terre, elle sent partout. Elle vous parle, votre femme, elle respire. La base du crâne était fracturée, les orbites, le nez étaient fracturés et toute la mâchoire également. L'enquête a très vite montré sa complexité. Des indices, des incohérences, des mensonges. Les deux suspects en ont semé partout. Le mari a des traces suspectes sur le corps. La maîtresse aura acheté ce qui serait l'arme du crime. Ils ont tous les deux un mobile. Jusqu'au bout, l'affaire Dromard a tangué. Jusqu'au deuxième procès, elle a gardé ses zones d'ombre. On n'a pas d'éléments. C'est plus un faisceau de présomptions, c'est plus des intuitions, c'est plus ce genre de choses. Sans preuve formelle, c'est sur son intime conviction que la cour a dû décider qui du mari ou de la maîtresse disait la vérité. Et le mot de la fin en a surpris plus d'un. Des vignes et des bulles, le Champagne, roi de la vallée de la Marne. À la mi-juillet, la vendange verte a commencé sur les coteaux de Saint-Martin-d'Ablois et ses environs. Tandis que les viticulteurs éclaircissent leurs ceps, sur la route des vins, les touristes trinquent aux beaux jours, aux vacances, à la cuvée prochaine. Mais ce 15 juillet 2010, ce n'est pas pour un verre de trop qu'à 22h10, le téléphone sonne chez les pompiers. Pompiers ? Oui, mais tout de suite. J'étais cambriolé, ma femme, elle est par terre, elle sent partout. Ouais, alors dans quelle ville vous êtes, monsieur ? Saint-Martin-d'Ablois. Attends, donc elle vous parle, votre femme, elle respire ? Je suis passé, ici, elle respire. D'accord, et donc là, elle est blessée, elle est inconsciente par terre ? Elle est inconsciente, elle a du sang partout. Elle vous parle quand même ou pas ? D'accord, monsieur, les pompiers vont arriver, vous raccrochez pas. Monsieur, les pompiers vont arriver, vous raccrochez pas, je vous passe un médecin au téléphone. Le souffle court, l'homme explique qu'en rentrant de son travail, il a découvert sa femme dans une mare de sang, au milieu de la cuisine. Ils ont été cambriolés, il faut venir vite. Les gendarmes suivent les pompiers. On voit le corps d'une femme inanimée au sol. Les pompiers donc, sont en train de s'affairer donc, autour d'elle. La femme respire. Mais son pouls est faible. Agenouillé à ses côtés, son mari qui a tenté de la réanimer la tient dans ses bras comme s'il la berçait. Il est couvert de sang et crie « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je me trouvais en face d'un monsieur surtout stressé qui n'arrêtait pas de se ronger les ongles malgré la présence de sang sur ses mains. J'ai essayé de lui parler de tout et de rien pour ne pas qu'il pense à son épouse. Les gendarmes prennent le mari sous leur aile pour que les pompiers puissent s'occuper de sa femme. La quantité de sang au sol et sur les murs est impressionnante. Il y en a partout, il y a des éclaboussures de sang partout. On voit que ça a été violent. Vraiment une scène d'horreur. Des traces de doigts, même de mains. Sur les meubles de la cuisine, comme si une personne avait voulu se relever. Les gendarmes restent à l'écart et laissent les urgentistes travailler. Massage cardiaque, ventilation, adrénaline. Le cœur repart avant de faire un nouvel arrêt. Laurence Dromard meurt à 1h20 aux urgences d'Épernay. Elle avait 43 ans.
faut avertir monsieur Dromard. Donc c'est vrai que c'est jamais facile dans ces moments-là. Donc on y met les formes. Et donc quand je lui annonce que son épouse est décédée, effectivement, il se met à pleurer. Mais Sylvain Dromard se ressaisit. Il faut retrouver le cambrioleur qui a tué sa femme. Sylvain Dromard nous explique qu'il lui a été dérobé donc de l'argent, 1200 euros qui se trouvaient dans une enveloppe dans son bureau et quelques bijoux sans grande valeur. Le bureau est sans dessus-dessous. Dans la chambre, plusieurs tiroirs ont été renversés. Mais l'attention des gendarmes est ailleurs. Sur une trace de pas, laissée sur la scène de crime du 39-40, peint la pointure de Sylvain Dromard qui chose plus grand. C'est une trace de semelle qui serpente dans la maison. Et c'est une trace d'un pas unique. Il n'y a pas le deuxième pied. Le 19 juillet 2010, une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire. Et trois jours plus tard, le rapport d'autopsie arrive sur le bureau du juge d'instruction. Cette femme a été agressée de manière extrêmement violente. La base du crâne était fracturée, les orbites, le nez était fracturé et toute la mâchoire également. C'est ce qu'on appelle un fracas crânio-facial. Toute la partie du cuir chevelu au-dessus de la tête est totalement absente, déchirée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement inhabituel. Au moins 9 coups ont été portés, la plupart ciblés le visage. Des coups répétés et extrêmement violents. Le tueur s'est acharné. Un cambrioleur, en général, s'il tombe sur quelqu'un alors que ce n'était pas prévu, la plupart du temps, l'individu prend la fuite. Il peut y avoir des échanges de coups, mais là encore, les échanges de coups, généralement, c'est dans le but de neutraliser la victime et de pouvoir prendre la fuite le plus rapidement. À quelle heure Laurence Dromard a-t-elle reçu le premier coup ? Son agresseur était-il seul ? Était-ce un homme ? Une femme ? Impossible à dire. Sur l'arme du crime, en revanche, le légiste avance. Il parle d'une arme contondante. Autrement dit, un objet qui ne coupe pas, mais qui blesse par choc. Les déchirures au niveau du cuir chevelu avaient cette particularité d'être des plaies relativement parallèles, avec donc la possibilité donc de quelque chose qui déchirait. L'idée d'un objet de jardin, et notamment avec un trident métallique pour griffer la terre, apparaissait une arme tout à fait possible. Cette griffe de jardin, les enquêteurs la cherchent partout. Chez les Dromard, bien sûr, dans les vignes, les chemins alentours, les garages des voisins, le voleur a pu s'en débarrasser en fuyant. Mais l'arme du crime reste introuvable. Curieux. Curieuse aussi sa technique de cambriolage. Mais en aucun cas, les tiroirs avaient été retournés comme lors d'un cambriolage normal. Les objets étaient plus répartis dans la pièce. C'est bizarre, parce que c'est pas la façon de faire, quoi. Artisan menuisier, Sylvain Dromard gère une affaire depuis chez lui. Quand il explique où étaient cachés les 1200 euros volés, les gendarmes n'en reviennent pas. On se dit comment un cambrioleur qui n'a pas tout retourné trouve une enveloppe parmi tous ces classeurs. Soit il était bien renseigné, soit il a eu vraiment beaucoup de chance de trouver cette somme. Quant au tueur, c'est le passe-muraille. Personne n'a rien vu, rien entendu, alors qu'il faut emprunter un chemin en gravier jusqu'au fond d'une impasse pour accéder à la maison. C'est sonore, le gravier. Surtout l'été, quand toutes les fenêtres sont ouvertes. Et puis ce cambriolage a aussi été commis à un moment idéal. La plus jeune des filles était partie chez les grands-parents, donc Madame Dromard se retrouvait seule à son domicile. Dans l'année, si on cherche un autre jour où elle s'est retrouvée seule à son domicile, il n'y en avait pas forcément.
C'était quelqu'un qui connaissait les habitudes, qui connaissait la victime. Quoi. Donc ça réduit forcément l'entonnoir des suspects. Quoi. De détail en détail, tout cela finit par faire beaucoup pour des gendarmes qui ont un peu de flair. On peut sentir les choses et puis avoir une impression par rapport à la situation, par rapport à notre expérience, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas acter parce que la justice, elle se moque en fait de vos impressions. Ce qu'il faut, c'est des faits. Très vite, on va comprendre que le dossier va être compliqué. Et donc, j'avais entendu parler, moi, du département des sciences du comportement. Le DSC, le département des sciences du comportement et ses profilers. En français, les analystes comportementaux. Ils m'ont répondu, mais écoute, nous, on peut t'apporter quelque chose, notamment en venant faire un profil d'auteur sur la scène de crime. Un profil d'auteur, autrement dit, un portrait psychologique du criminel à partir de son mode opératoire. Pourquoi il est passé par là? Pourquoi utiliser telle arme? Est-ce qu'il est venu avec? Est-ce qu'il n'est pas venu avec? S'il est venu avec, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils se mettent un petit peu dans la tête du criminel. Et le DSC vient appuyer l'intuition des gendarmes. Laurence Dromard n'a pas surpris quelqu'un en train de faire ses tiroirs. C'est elle qui a été surprise. La cible, c'était pas l'argent, c'était elle. Et elle connaissait son assassin. Les blessures très graves qui sont portées au niveau du visage sont une forme de dépersonnalisation qui caractérise dans nombreuses affaires criminelles qu'il y avait certainement un lien de connaissance entre l'auteur et la victime. Laurence Dromard, c'était la coiffeuse de Saint-Martin-d'Ablois. Tout le monde la connaissait. Son assassin ne se cache certainement pas loin. Son mari et ses deux filles, c'est tout ce qui comptait pour Laurence Dromard. L'aînée a 19 ans, la cadette 14, le père 52. Laurence l'a épousée il y a presque 20 ans. L'artisan menuisier est un gros bosseur, un homme à poigne aussi. Il a, on dit, la tête près du bonnet, c'est-à-dire qu'il a du caractère. Maintenant, il est extrêmement serviable. Il est apprécié dans le travail qu'il fait. Il gagne très correctement sa vie, ça fonctionne. Il a fini par monter son entreprise. Il a acheté plusieurs appartements. Il a des hectares de vignes. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé comme ouvrier et qui se retrouve à la tête d'un certain patrimoine et de certaines responsabilités et d'une certaine aura au sein de la population. Laurence aussi était une figure de Saint-Martin-d'Ablois. Elle tenait un salon de coiffure juste en face de chez elle. Tous les habitants s'y sont fait un jour couper les cheveux. Elle est toujours souriante, elle est accorte, elle est bienveillante, elle écoute les gens. Vous savez, une coiffeuse avec laquelle on a des relations, on se dit systématiquement bonjour, on est content de se retrouver. Donc c'est vraiment une femme appréciée. La veille du drame, elle a été aperçue rayonnante au bras de son mari. C'était le 14 juillet. Ce soir-là, le couple Dromard est allé voir le feu d'artifice. Avant de rejoindre la fête du village, ils ont trinqué, dansé. Tout est parfaitement banal, tout est parfaitement normal, tout va bien. Même si le couple a traversé une grosse crise quelques mois plus tôt. Car ce n'est un secret pour personne, Sylvain Dromard est un homme à femme. Il aime le beau sexe. Beaucoup. C'est un séducteur, c'est un jouisseur. Et c'est quelqu'un qui va, sans complexe en fait, multiplier les conquêtes féminines. Au cours de ses chantiers, il rencontre notamment beaucoup de femmes, puisqu'il fait des devis, fait des travaux, et qu'il n'hésite pas donc à leur proposer des rapports sexuels. C'était plutôt fugace. Je dirais, il picorait à droite à gauche. Des infidélités que le bonhomme assume, même devant sa femme. Laurence Dromard souhaite garder sa famille et son mari. Et elle est prête à passer sur ses incartades, et elle préfère faire le gros dos et subir, plutôt que d'aller vers la rupture. Elle n'est pas dans une dynamique « tu m'as trompé, je vais te tromper » ou « tu m'as trompé, on ne peut que se quitter ».
Le 15 juillet, comme tous les jeudis, Laurence Dromard a donné ses derniers coups de peigne à la maison de retraite voisine. Le rideau de son salon de coiffure était déjà tiré. À la maison, les valises étaient presque bouclées. Oubliez les mauvais jours avec Sylvain, les soucis, les clients. Dans quelques heures, vacances, le soleil et la plage en famille. Laurence Dromard se faisait une joie de partir. Tout semblait normal, heureux. La vie était belle. C'est aussi ce que dit Sylvain Dromard quand il est auditionné quelques heures après l'agression de sa femme. Mais le gars fait une drôle d'impression aux gendarmes. Il est positif à l'alcool, donc on le fait visiter par un médecin. Et le médecin nous signale des marques au niveau du bras droit et sous et au niveau de l'aine aussi, droite. Donc il nous demande de faire des photos. C'est là où il y a eu premier élément un peu bizarre. Et quand il se met donc de billes à nous, il fait un regard. C'est vraiment un regard mauvais. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je veux dire, je le revois contre le mur quand je le prends en photo. À son regard, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. C'est sûr. Première question, un classique. Vous faisiez quoi le 15 juillet ? La plupart des victimes, lorsqu'ils sont confrontés à une situation aussi grave, s'agacent. C'est pas le moment de savoir s'ils sont partis et à quelle heure ils sont partis chez le coiffeur, à quelle heure ils sont rentrés du domicile, quel véhicule ils ont utilisé. Ils sont tellement atteints psychologiquement que ça, c'est quelque chose qu'ils sont en général incapables de faire. Or, Sylvain Dromard récite son emploi du temps de la journée précisément, et ça, c'est quelque chose qui est totalement inhabituel. Clairement, les gendarmes sont sur le mari, mais alors, quel est cet emploi du temps qu'ils récitent aussi bien ? Ce qui les intéresse, c'est son emploi du temps en fin de journée. Hein. Sylvain Dromard raconte que à 18h, il ferme son entrepôt à Saint-Martin-d'Ablois, il passe chez lui rapidement et ensuite, il part à Chouilly faire un devis chez une cliente. Il revient à 20h30 à Saint-Martin-d'Ablois et sa femme est là, elle est en train d'arroser le jardin. C'est ce qu'il raconte aux enquêteurs. Il lui propose, chérie, tu viens avec moi ? J'ai un autre devis à faire à Épernay. Elle lui répond qu'elle prépare les valises, demain ils s'en vont. Donc il va tout seul à Épernay. À 21h30, 21h50, il revient à Saint-Martin et il trouve sa femme en train de mourir. 22h10, il appelle les secours. 20 minutes pour appeler les secours. Bon, j'imagine que les gendarmes ont fait le tour de ses clients pour vérifier son emploi du temps. Tout concorde, à une chose près. Leur voisine à Saint-Martin-d'Ablois, elle a effectivement vu Madame Dromard en train d'arroser son jardin, mais pas à 20h30, à 19h. À 19h, elle en est sûre parce que tous les jours, elle rentre du travail à 19h. Elle est même allée faire un tour à pied dans le quartier. Elle est revenue à 19h45. Madame Dromard, à qui elle avait fait un petit signe, n'est plus dans le jardin, elle est rentrée dans sa maison. Donc ça colle pas. Est-ce qu'il y a d'autres témoins qui ont vu Dromard ce soir-là ? Il y a deux personnes, deux hommes, dans les rues de Saint-Martin-d'Ablois, qui l'ont vu passer en voiture à 21h10. Et l'un d'eux se souvient même qu'il portait un t-shirt blanc avec deux bandes noires. Et regardez ces images qui ont été prises par la vidéosurveillance d'une banque le matin même du 15. Hein. Il est noir le t-shirt. Mais bon, il a pu se changer. Ben oui, c'est la question que vont lui poser les gendarmes. Est-ce que vous vous êtes changé ? Il leur répond non. Et puis, il y a autre chose. Au cours de sa première audition, Sylvain Dromard livre spontanément une information très intime aux gendarmes. Je lui pose la question de savoir si tout allait bien au sein de son couple. Donc il me dit oui, tout va bien. Et là, il me dit, je tenais à vous préciser que j'ai une maîtresse. Une certaine Muriel Bonin. Forcément, on va essayer de creuser cette information-là. Est-ce que la victime est au courant de la relation ? Comment était cette relation-là ? Est-ce que la maîtresse a eu des différends déjà avec la victime ? Muriel Bonin, c'est une personne qui a 46 ans, qui est secrétaire de direction, qui a été mariée durant 10 ans et qui a fait la connaissance de Sylvain Dromard dans l'entreprise où elle travaillait parce que c'était une entreprise qui vendait des matériaux et Sylvain Dromard venait se fournir en matériaux. Des maîtresses, Sylvain Dromard en a eu, et beaucoup. Mais avec Muriel, c'était différent.
Il a installé sa maîtresse dans un de ses appartements à Saint-Martin-d'Ablois. C'était un peu gonflé, mais bon, au moins il avait sa femme, et puis sur place, il avait aussi sa maîtresse. On va voir la pression qui se met en place, notamment une pression de la part de Muriel, mais aussi une pression de la part de Laurence Dromard, pour que, finalement, il reste avec l'une ou avec l'autre. Et elles vont se le disputer. Pour sa maîtresse, Sylvain Dromard a claqué la porte plusieurs fois en un an et demi. À trois reprises, il est parti. Et à trois reprises, il est revenu. La dernière fois, c'était en avril, 4 mois avant le meurtre. On est dans une espèce de lune de miel sur ces retrouvailles. Et cette lune de miel, elle se caractérise par le départ en vacances. Donc on a des projets communs dans le cadre d'une reconstruction de la famille. Si la paix était revenue dans le couple, l'âge de guerre était loin d'être enterré entre les deux rivales. Les gendarmes découvrent que Laurence et Muriel se haïssaient. La preuve, ce sont leurs collègues d'une gendarmerie voisine qui la leur apportent. Trois mois avant le drame, la maîtresse a porté plainte contre l'épouse légitime à la gendarmerie de Dizy, à 15 km de là. Elle a expliqué que le 24 avril 2010, Laurence Dromard est venue chez elle pour s'expliquer. Une explication franche qui s'est avérée musclée. Elle lui dit, maintenant, tu arrêtes, tu lâches mon mari, je suis sa femme. Laurence Dromard l'a traité de putain, Muriel lui a collé une gifle avant de l'empoigner par les cheveux. Mais l'épouse avait encore les mains libres et elle n'a pas raté la maîtresse. Résultat, 7 jours d'arrêt de travail pour Muriel Bonin. Et cette confrontation, elle va en réalité exacerber les passions. Cette fois, il faut qu'ils décident et on peut plus se contenter de ménager l'une et l'autre, la chèvre et le chou. Dans sa déposition, Muriel Bonin a ajouté que Laurence Dromard avait toujours voulu saborder leur relation et qu'elle ne les laisserait jamais en paix. À moins, se disent les gendarmes, à moins de se débarrasser de l'épouse gênante. Une proche, un mobile, Muriel Bonin a le profil. Alors le 11 août, 3 semaines après le crime, les gendarmes vont l'entendre. On s'attendait à notre visite. C'est quelqu'un qui parle assez bien, c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Mais l'enquêteur est malin. Il lui tend un piège. Elle s'attend à ce que je lui demande son emploi du temps du 15 juillet 2010, mais c'est pas par ce soir-là que je vais commencer. Je vais commencer par le 14 juillet, puisque c'est la fête nationale. Et je vais être surpris que le 14 juillet, elle est incapable de me donner son emploi du temps. Mais par contre, quand je reviens sur le soir des faits, le 15 juillet, je vais être étonné des détails qu'elle me donne. Muriel Bonin ne s'arrête pas là. Elle parle. Beaucoup. Et évidemment trop. Elle nous dit « Moi, j'ai rien à voir dans cette affaire-là, mais par contre, j'ai très peur qu'on me reproche quelque chose, et je sais pas pourquoi, mais j'ai jeté mon téléphone dans la Marne. » À 20 km de Saint-Martin-d'Ablois, 2 jours après le meurtre. Pourquoi nous le dire ? Je pense que c'est parce qu'elle l'avait évoqué autour d'elle, et notamment dans son entreprise, elle savait très bien qu'un jour ou l'autre, on l'aurait su. Une équipe de plongeurs se rend sur place. Et le téléphone refait surface. Sans carte SIM, cassé et brûlé. Mais miracle, les techniciens réussissent à sauver et à explorer la mémoire interne du téléphone. Une mine d'or. Les conversations SMS entre Sylvain Dromard et Muriel Bonin ont été effacées manuellement. Dans une affaire criminelle, les gens font rien par hasard. Et ensuite, il y a un certain nombre de SMS qui sont retrouvés, qui laissent effectivement entendre des choses très importantes. Ces messages, Muriel Bonin les a envoyés à son amant le 1er juillet, 15 jours seulement avant le meurtre. Je croyais qu'elle était HS. Dommage. Tu m'as dit avant le 17.
Si on se soutient, oui, tu auras besoin de moi et moi de toi. Tu me diras demain ce que tu veux réellement faire avec elle. On ne sait pas de quoi elle parle, mais c'est un élément qui fait dire que est-ce qu'il n'y a pas eu une machination, une stratégie, une entente, une complicité pour commettre les faits. Le mari et la maîtresse, voilà maintenant deux suspects. Forte de 5 enquêteurs à temps plein sur le dossier, la cellule homicide 51 lance les surveillances, les écoutes, épluche les factures détaillées. Et là encore, ça paye. Alors ces fadettes, qu'est-ce qu'elles disent ? Alors, premier point, Dromard a affirmé aux gendarmes qu'il n'avait plus été en contact avec sa maîtresse, Muriel Bonin, après la mort de sa femme. Or, c'est faux. C'est faux. Le 15 au soir, les gendarmes viennent dans sa maison, enquêtent sur place et déposent Dromard le matin chez son frère. Et la première chose qu'il fait, à 5h11, c'est téléphoner à sa maîtresse. C'est la première personne qu'il appelle. Le choc, peut-être. Et les jours suivants ? Les jours suivants, ils vont rester en contact. Elle lui téléphone avec le téléphone d'une copine qui s'appelle Linda. Elle lui téléphone avec la carte SIM d'un téléphone de son entreprise. Au total, elle va utiliser 3 cartes SIM, donc 3 numéros de téléphone différents, dans 6 appareils différents pour contacter son amant. Sylvain Dromard joue aussi à cache-cache comme ça ? Idem. Il utilise le téléphone d'un de ses clients, il utilise le téléphone de son entreprise, il va dans une cabine téléphonique pour contacter Muriel Bonin. Et il va faire une bourde. Il fait une bourde le 29 juillet 2010. Il laisse un message sur le portable de Muriel Bonin. Ce fameux portable dont elle s'est débarrassée. Et qu'elle a jeté à l'eau. Il lui dit « Je ne comprends pas, j'ai toujours ton répondeur. Il y a eu un drame à la maison, je ne comprends pas. » Comme si Muriel Bonin n'était pas au courant de la mort de la femme de Dromard. En fait, ce message, c'est clair. Il est pour qui ? Pour les gendarmes. Il est pour les gendarmes. Dromard essaie de brouiller les pistes. Cela fait 4 mois depuis la mort de Laurence Dromard que Muriel Bonin et Sylvain Dromard continuent à se parler en secret. À se voir aussi, malgré les circonstances. Muriel Bonin circule avec un véhicule Volkswagen Eos décapotable de couleur gris, qui est très caractéristique et qu'on voit très peu. Et un jour, ce véhicule est détecté donc sur un parking d'hôtel à Reims. Et sur ce parking, on découvre aussi le véhicule de Sylvain Dromard. Ils se rencontrent régulièrement dans des hôtels, soit en utilisant leur propre nom, mais plus souvent avec des noms d'emprunt. Sylvain Dromard, c'est le profil du gars fier, du chef d'entreprise qui mène son petit monde à la baguette. Et il n'y a pas de raison que ça change avec les gendarmes. Il essaye de nouer une relation amicale avec moi. Mon rôle, c'était de faire un peu l'idiot, quoi, celui qui sait pas trop les choses, celui qui comprend pas trop, pour alimenter en fait son ego, je dirais. Puisqu'il essayait de me manipuler, moi j'alimentais, vas-y, manipule, quoi. Plus tu me manipules, plus j'aurai d'informations. L'enquêteur laisse Sylvain Dromard prendre confiance. Il gagne du temps, pendant que ses collègues poursuivent leurs recherches. Si Dromard a fait le coup, est-ce qu'il a agi seul ? Souvent, il essaye de me diriger vers sa maîtresse. Ça m'avait un peu interpellé. Comme s'il fallait me dire « Intéresse-toi à Muriel Bonin ». Les gendarmes scrutent le téléphone de la maîtresse pour reconstituer son emploi du temps le soir du crime. Elle a une activité d'habitude la journée, assez tôt à partir de 6h, et le soir jusqu'à 22h30, 23h. Ça, c'est sa vie normale. Sauf que ce soir-là, effectivement, le téléphone est éteint en début de soirée, ce qui est quelque chose de totalement inhabituel. Dans un dossier criminel, généralement, cette rupture d'habitude, elle a un lien avec le crime. Muriel Bonin n'avait pas l'habitude non plus de passer voir ses copines à l'improviste. C'est pourtant bien ce qu'elle a fait le 15 juillet. Son amie était absente ce soir-là. Mais 3 jours plus tard, Muriel l'a appelée pour lui demander un service, dire qu'elles avaient dîné ensemble. À son frère aussi, Muriel Bonin a demandé un curieux service.
Elle dit, suite à l'agression de Laurence Romar, j'ai consulté des sites de vente d'armes et j'ai peur que les enquêteurs retrouvent ces éléments et que ce soit à charge pour moi alors que je n'ai rien fait. Elle demande à son frère s'il peut effacer ses données de connexion. Et puis, il y a cette course du 8 juin 2010 dans un supermarché. Elle a effectué un achat par chèque dans un magasin Décathlon, achat qui correspond donc à une batte de baseball. On recherchait un objet contondant, lourd, très solide, susceptible d'avoir commis des faits. Une batte de baseball, ça répond à ces critères, même si c'est pas un trident. Et une fois qu'on avait des soupçons qui étaient assez sérieux, on ne pouvait pas échapper à la garde à vue. C'était obligé. D'autant plus que les gendarmes ont vérifié Muriel Bonin, elle chausse du 39. Le 16 novembre 2010, 4 mois, presque jour pour jour, après le meurtre de Laurence Dromard, les gendarmes placent les deux amants en garde à vue. Alors qui a tué ? Le mari ? La maîtresse ? Les deux ensemble ? Tout est possible. On est dans cet état d'esprit-là, de dire que c'est deux personnes qui se sont préparées sans doute à une phase de garde à vue et que ça sera une phase difficile. C'est un peu un dossier à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments, c'est plus un faisceau de présomption, c'est plus des intuitions. Les enquêteurs lui posent de nombreuses questions, ils lui font répéter plusieurs fois, il reste toujours précis, il ne se trompe quasiment jamais et il ne craque jamais. Droit comme la justice, le menuisier ne lâche rien. Les incohérences sur son emploi du temps ? Une erreur. Les échanges téléphoniques avec Muriel ? Il ne s'en souvient pas. Les rendez-vous à l'hôtel ? Il ne les a jamais cachés. Une assurance déconcertante, même quand les gendarmes lui demandent pourquoi, quand il a découvert sa femme dans une mare de sang, il a mis 20 minutes à appeler les secours. C'est long, 20 minutes. Il reste sur sa version de départ en expliquant qu'il ne trouve pas le téléphone fixe du domicile, qu'il est obligé donc de sortir de son domicile, de retourner à son camion pour aller chercher son téléphone portable. Pour nous, ça nous paraît exagéré, 15 à 20 minutes par rapport à la gravité des blessures. Dans le bureau voisin, Muriel Bonin résiste aussi. C'est une garde à vue éprouvante, aussi bien pour elle que pour moi d'ailleurs. C'est un peu une bagarre psychologique, quoi, je dirais. À la 47e heure, je n'y crois plus vraiment en fait. Je suis plus en mode mécanique là. Pour moi, c'est fini. Il reste une heure. Une heure de garde à vue et une dernière carte à jouer. Le cabriolet de Muriel Bonin. Il a été passé au Blue Star un peu plus tôt et les analyses ont révélé des traces sans qu'on sache de quoi. Le gendarme va tendre un nouveau piège à Muriel Bonin. Je suis persuadé que c'est un faux positif. Moi, je sais pertinemment que son véhicule n'a jamais été sous les lieux, j'en suis persuadé. Il est trop voyant, Saint-Martin-d'Albois, c'est pas une grosse ville, elle est connue, elle y a habité, c'était trop risqué. Et donc, je lui présente. Et quand je lui présente, je lui demande ce que c'est. Elle me demande si c'est du sang. Moi, je ne réponds pas. Je la laisse réfléchir sur ça. Et Muriel Bonin prend peur. Elle est dans le néant. Ma voiture, elle ne me quitte pas. Ne me dites pas qu'il y a des traces de sang dans ma voiture. Ah ça, non. Elle a dû imaginer que le sang avait été mis par Sylvain Dromard pour l'accuser. Elle se dit, si j'ai été manipulé par mon amant, lui va peut-être s'en sortir, puisqu'ils ont peut-être moins d'éléments à charge contre lui, et moi, je vais être poursuivi. Muriel Bonin vient de tomber dans le panneau. Et à 47e heure, Muriel Bonin va nous expliquer qu'en fait, elle est au courant de ce qui s'est passé, et que c'est Sylvain Dromard qui a commis les faits et qui a agressé donc, sa propre femme. Elle va lui demander « Mais comment ça s'est passé ?» Il va lui répondre très mal. Sylvain Dromard lui a tout raconté. Il a pris la batte de baseball, frappé sa femme une première fois, mais elle n'est pas tombée. Il l'a regardée dans les yeux
Alors il l'a cognée plusieurs fois et l'a laissée pour morte. Après avoir commis les violences sur son épouse, Sylvain Dromard est passé par son atelier pour y déposer donc la batte de baseball et une partie de vêtements qu'il avait utilisés pour commettre les faits. D'après Muriel Bonin, Laurence Dromard n'a pas été agressée à 22h, mais en début de soirée. Le mari avait pensé à tout. Il a pris des bijoux pour simuler un cambriolage et les a jetés dans un étang voisin. Puis il s'est rendu chez un restaurateur pour un devis. Son alibi. Lorsque Sylvain Dromard rentre et qu'il pense découvrir son épouse décédée, en fait, il la trouve vivante. Et il explique à Muriel Bonin qu'il a eu très peur qu'elle ait écrit son nom en lettres de sang, comme dans l'affaire Omar Radad. Omar m'a tué. Donc il doit réagir et modifier le plan de départ. Le soir du meurtre, Sylvain Dromard a dit aux pompiers qu'il avait tenté d'arrêter l'hémorragie en faisant des points de compression avec un torchon. C'est faux. Ce torchon plein de sang, il l'a utilisé pour finir le sale boulot. Pas pour sauver sa femme, pour l'étouffer. Les brides d'éléments qu'on avait, bah, s'imbriquent très bien dans le scénario, quoi. Et donc, j'ai pas de raison de pas la croire. Au moment où Muriel Bonin se met à dire ce qu'elle sait, c'est le jour et la nuit, elle était en stress parce qu'elle mentait aux enquêteurs. Et là, elle se libère, en fait. Elle se libère, elle lâche tout et on sent qu'elle se les délivre d'un poids. Et surtout, elle vient de dénoncer non pas un meurtre, mais un assassinat. Mais non seulement elle nous dit que c'est Sylvain Dromard qui l'a tué, mais on va comprendre qu'en fait, que c'était prémédité. Il reste que Muriel Bonin décrit parfaitement la scène, avec beaucoup de détails. Peut-être trop pour quelqu'un qui n'était pas sur place. Alors elle l'admet, elle savait, elle a adhéré. Mais Sylvain ne voulait pas qu'elle participe. Le soir des faits, elle a été en contact téléphonique avec Sylvain Dromard de 17h50 à 18h. Elle comprend au cours de cette conversation qu'il va passer à l'acte parce qu'il lui dit « j'ai une boule au ventre, j'ai consommé de l'alcool pour me donner du courage ». Elle va s'apercevoir que la batte de baseball présente chez elle avait disparu. Et donc elle va comprendre que c'est ce soir-là que les faits vont être commis. Les enquêteurs ont des aveux, mais quand ils les collent sous le nez de Sylvain Dromard, le suspect gronde, elle ment. En quelques secondes, le couple vole en éclats. Désormais, c'est parole contre parole. Il ne changera pas de version. La seule porte de sortie qu'il tend aux enquêteurs, c'est de dire bah, « si Muriel Bonin m'accuse, c'est peut-être que c'est elle qui a commandité tout ça ». Mais Sylvain Dromard a un mobile. Avant le meurtre, il est allé voir son notaire pour lui demander combien lui coûterait un divorce. Un bras. Acculé par les révélations de sa maîtresse, Sylvain Dromard est mis en examen pour assassinat. Muriel Bonin, qui en savait trop, pour complicité d'assassinat. Et les deux amants filent en prison. Leur mère assassinée, leur père en prison, les filles du couple Dromard sont déchirées. C'est le deuxième coup de massue, si j'ose m'exprimer ainsi, pour cette famille. Le père, les yeux dans les yeux, explique que c'est pas lui qui n'a rien fait. Elles n'ont pas d'autre choix que de penser que ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais la vérité de Sylvain Dromard, le juge a du mal à y croire. Comme à celle de Muriel Bonin, d'ailleurs. Alors les gendarmes continuent de vérifier leur version. Sylvain Dromard lui aurait dit se débarrasser des bijoux dans un étang entre Saint-Martin-d'Albois et Vaucienne. Donc on va aller fouiller l'étang. Ouais, les recherches sont faites l'hiver dans des conditions assez compliquées. Je vois même les plongeurs casser la glace pour pouvoir aller inspecter le fond de l'étang. Malheureusement, les bijoux ne seront jamais retrouvés.
Les bijoux ne corroborent pas la version de Muriel Bonnat. Mais il reste l'arme. Le juge demande une contre-expertise. Trident ou batte de baseball ? Une batte de baseball est compatible avec le type de blessure observée sur la victime. La maîtresse explique que Sylvain Dromard l'a caché dans le faux plafond de son atelier, avec ses vêtements tachés de sang. Les gendarmes se précipitent dans l'atelier. Ils pensent, ça y est, ils vont trouver l'arme du crime. Et s'ils trouvent l'arme du crime, bah ça y est, Sylvain Dromard, il est foutu, on va dire ça comme ça. C'est lui l'assassin. C'est pas la batte de baseball qu'on recherche, c'est des traces de sang. L'idée, c'était de retrouver sous le faux plafond les traces de sang que la batte de baseball aurait pu laisser lorsqu'elle a été dissimulée ici. Sylvain Dromard a les menottes au poignet, mais peu importe. Dans son atelier, c'est lui le patron. Il exige du café, réclame son chien, donne des ordres aux ouvriers, lance aux gendarmes des blagues graveleuses. Il jouait le coq, je dirais. C'est pas qu'il est discourtois avec les gendarmes, mais c'est qu'il les prend un peu de haut. Et quand les techniciens en identification criminelle s'approchent du faux plafond... Et je me souviens de son inquiétude. Et c'est la première fois d'ailleurs où je le vois avec beaucoup moins d'assurance. Et là, pas de batte, loupé. Ou presque. Sur le faux plafond, le Blue Star réagit. Il y a des taches. Mais quand les analyses reviennent du labo, c'est la douche froide. Ces traces suspectes, ce n'est pas du sang. Pour autant, les gendarmes ne repartent pas bredouille. On découvre en contrebas de cet emplacement un trou dans le plafond. Les gendarmes interrogent donc les employés et l'un d'eux se souvient. Mi-juillet, Dromard lui a dit qu'il était passé à travers le faux plafond en cherchant du matériel. Les enquêteurs ont une autre explication. Lorsqu'il est venu dissimuler cette batte de baseball-là, il va passer à travers le faux plafond. Et ce qui explique, en fait, les blessures qu'il avait tout le long du corps au moment des faits. Reste à savoir où est passée cette batte. Là encore, Muriel Bonnat a une explication. Cette batte de baseball, il va la laisser là 2 ou 3 jours avant de la découper en rondelles dans son atelier et de la brûler ensuite dans les vignes. Les vignes, ça fait tilt. Un voisin auditionné quelques semaines plus tôt a vu la voiture de Sylvain Dromard le 18 juillet à la lisière du bois, au lieu-dit Les Fournais. Ce n'était pas sa parcelle, il n'avait rien à faire là. Ces vignes, les gendarmes partent donc les fouiller. Et ils ne sont pas déçus. Là, on y retrouve un foyer. Dans ce foyer, on y retrouve des œillets de chaussures et une semelle de chaussures partiellement calcinée. Celle qui aurait laissé sa trace dans la cuisine ? Mais si c'était le cas, qui l'aurait utilisé ? Sylvain Dromard, pour brouiller les pistes ? Ou Muriel Bonnat ? C'est quand même elle qui a acheté la batte. Les enquêteurs perquisitionnent sa maison. Et que trouvent-ils dans la cuisine ? On retrouve cette batte de baseball, mais cette batte de baseball est intacte. Mais elle n'a pas de trace. Et une fois de plus, Muriel Bonnat a une explication. Ce n'est pas l'arme du crime. Quand Sylvain Dromard a pris sa batte, elle a paniqué, elle en a acheté une deuxième. Puisque la première batte de baseball avait été réglée par chèque, il fallait en retrouver une parce que les enquêteurs allaient à un moment donné s'apercevoir qu'elle avait acheté une batte de baseball. Donc comment expliquer la disparition ? C'était ça l'idée. Les deux amants ont un mobile. Ils ont tous les deux menti. Contre Dromard, le juge a les aveux de Muriel, le feu dans les vignes et ses blessures sur le corps. Contre elle, il a l'achat d'une batte, sa pointure et la bagarre avec sa rivale.
5 partout. Alors, qui a tué Laurence Dromard ? Pour y voir plus clair, l'enquête se porte maintenant sur la personnalité des deux amants et leur relation. C'est l'amour fou, si tant est qu'on puisse parler d'amour. En vrai, ce qui les unissait, le sexe. C'est-à-dire que je crois qu'ils prenaient leurs pieds quand ils faisaient l'amour ensemble. Et rien d'autre. Il ne fera jamais allusion à une quelconque relation de tendresse, d'affection vis-à-vis de sa maîtresse. C'était le sexe qui l'intéressait, un point c'est tout. Avec d'ailleurs des expressions très très frustres, hein, tout à fait évacuées de toute forme de romantisme. Hein. Il explique que c'est le meilleur trois trous qu'il ait jamais rencontré, donc c'est des propos qui sont un peu particuliers sur la manière de décrire la maîtresse avec laquelle il a souhaité faire sa vie et avec laquelle il avait un attachement aussi fort. C'est quelqu'un de très imbu de lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle, dans notre jargon, des poussées narcissiques, comme ça il est très égocentré. Lui compte beaucoup, les autres sont à son service en quelque sorte. À commencer par sa maîtresse. Monsieur Dromard est quelqu'un d'extrêmement jaloux. S'il appelle alors qu'elle est au travail, elle ne répond pas. Il arrive et il fait un scandale immédiatement où elle se trouve. C'est une façon de tenir encore une fois sa maîtresse qui devenait encore plus sa chose, quoi. C'est-à-dire qu'il la tenait en laisse, hein, là, carrément. Cette emprise, elle apparaît dans une lettre versée au dossier. En fait, c'est une déclaration d'amour, quasiment, après les faits, de Muriel Bonin à Sylvain Dromard. Une lettre sans équivoque. Elle ne le juge pas, elle l'admire, elle l'attend. Il a tué pour moi. Il a tué pour moi. Donc, une espèce de fascination, une espèce de crainte aussi. Certes, Sylvain Dromard paraît comme l'homme fort, celui qui veut décider et maîtriser les femmes. Mais est-ce que derrière, Muriel Bonin a un rôle on peut se demander qui manipule qui. Quand je vois Muriel Bonin, je cherche à savoir si elle est immature, influençable, impressionnable, si elle est suggestible, si elle s'expose à une relation affective dans une relation d'emprise ou de soumission. Je ne relève pas toutes ces qualifications, si vous voulez. L'emprise, j'y crois pas. Pour s'en assurer, le juge confronte les deux amants qui viennent de passer plusieurs mois isolés dans leur cellule. Ce qu'aurait espéré le juge d'instruction, c'est que Muriel Bonin regarde droit dans les yeux Sylvain Dromard en lui disant « Prends tes responsabilités, dis ce que tu as fait, avoue. » Et que Sylvain Dromard la regarde droit dans les yeux avec peut-être des larmes qui commencent à couler sur ses joues et lui dire « Oui, ma chérie, c'est vrai, j'ai fait tout ça, mais tu sais, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour nous. » Tout le monde attendait ça. Et c'est pas ce qui s'est passé. Madame Bonin et Monsieur Dromard campent tous les deux sur leur position. Madame Bonin donne toujours une foule de détails, alors que Monsieur Dromard ne reconnaîtra jamais les faits qui lui sont reprochés. C'est quelque chose qui déclamera sans cesse. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Dominique, après un an de détention, Sylvain Dromard et Muriel Bonin sont remis en liberté, mais ils restent mis en examen. Et en juillet 2013, le juge ordonne une reconstitution. Mais qu'est-ce qu'il veut savoir de plus ? Ce que veut savoir le juge, c'est si la version donnée par Sylvain Dromard correspond aux éléments matériels recueillis ou observés sur la scène de crime. Et pour ça, il va faire appel à une morpho-analyste. Ah oui, c'est la spécialiste capable de faire parler les traces de sang. Oui. Et elle, elle a travaillé en amont, notamment grâce à des images et des vidéos qui ont été tournées en 3D, avec un tout nouvel appareil qui s'appelle le laser scanner 3D. Oui, c'est ce qu'utilisent aussi les agents immobiliers pour les visites virtuelles d'appartements, par exemple. Exactement ça. Regardez, il y a un miroir à l'intérieur, un bloc scanner. Regardez, ça tourne.
Ça envoie des ondes qui mesurent toutes les dimensions de la pièce et qui reconstituent un jumeau numérique de la scène de crime. Alors, c'est le premier outil qui est utilisé sur une scène de crime. Ce qui veut dire que si après les enquêteurs vont, les techniciens d'identification criminelle, prélever un mégot, prélever un objet, une canette qui doivent partir au labo... Ah, ils peuvent le retrouver à l'emplacement exact. Exactement. Il restera là où il était au moment de la découverte de la scène de crime. Par exemple, un balisticien peut venir, à partir de là, observer une trajectoire de tir. Et est-ce que c'est courant, cette méthode ? À ce moment-là, cette méthode, elle n'existe que depuis 5 ans. Et la morpho-analyste va être l'une des premières en France à l'utiliser pour analyser des traces de sang. Le 3 juillet 2013, 3 ans après le meurtre de Laurence Dromard, tout le monde se retrouve chez les Dromard. Il y a encore les traces de sang. C'est quand même une ambiance assez sordide. Madame Bonin n'est pas rentrée dans la maison. Elle est restée à l'extérieur puisqu'elle n'a jamais participé à ce meurtre. Elle joue sa défense à fond. Hein. C'est très éprouvant pour elle. Bon, je dirais pas jusqu'à surjouer, mais presque. La morpho-analyste, qui a déjà travaillé sur la scène de crime en 3D, va vérifier ses hypothèses. Le sang, il va pouvoir nous donner toute une série d'indications en fait, sur la scène. À partir du moment où on a une trace, quelle qu'elle soit, sa taille, sa forme et sa distribution, on va dire, en fait, son aspect général, va nous donner une indication sur est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est juste, qui s'est déposé comme ça, parce que c'est tombé, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été projeté là et qui fait suite à un coup. La scène a été découpée en 41 zones. Et leur étude approfondie permet d'élaborer un scénario de la soirée. La victime a pris possiblement un premier coup qui l'a fait saigner. Et ensuite, les seconds coups se situent quasiment au sol. Donc on a une victime qui va d'abord être à terre, se redresser, reprendre des coups, puis rechuter à nouveau pour ne pas se relever. Dromard, qui veut aider le juge, raconte avec application comment il a retrouvé son épouse, les gestes qu'il a effectués pour tenter de la sauver. Le suspect semble très sûr de lui. Son avocate l'est un peu moins. Le moindre geste peut être très mal interprété et jouer contre nous. C'est la difficulté de cet acte d'instruction. Et des erreurs, Sylvain Dromard en commet plusieurs. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout parce que je ne vais pas non plus donner le manuel du parfait petit tueur en série. Mais à un moment donné, M. Dromard positionne un torchon en fait, sous la tête de la victime. Ce torchon est très largement ensanglanté. Et il dit qu'il va l'essorer. Et dans la zone en fait, où il essore le torchon la première fois, il se rend lui-même compte à un moment donné en fait, qu'il n'y a pas de traces qui correspondent dans l'environnement. Une erreur que son avocate excuse. Au moment où il découvre sa femme, vous avez le stress qui est là à son apogée. Et là, on vous demande, des mois plus tard, de remimer la même chose dans son exactitude. Donc, c'est très difficile pour Sylvain. Et à un moment donné, c'est dur pour lui et il arrête, quoi. Mais une autre erreur va le confondre encore. Il vient nous dire, j'essaie d'appeler les secours. Il ne trouve pas le téléphone. Il se dit, mais... Bon Dieu, mais c'est bien sûr, il est dans ma poche de pantalon. Et il met sa main dans la poche de pantalon. Il n'y a pas de trace de sang dans les poches. Or, Dromard avait les mains pleines de sang. Pourquoi il n'y a pas eu de trace ? Donc il ment. De détails curieux en détails curieux, l'instruction conduit le juge à renvoyer les deux amants devant les assises. La balance penche nettement en défaveur de Sylvain Dromard. Mais la défense a son mot à dire. Des détails. Oui, ce sont des détails. Pas des preuves.
C'est pas parce que vous êtes renvoyé devant une cour d'assises que vous êtes coupable. Dans cette ordonnance de mise en accusation, il n'y a rien. En vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien contre Sylvain de Romard. Les faisceaux de présomption, ce ne sont que des interprétations, brandit la défense. Ils ont envie de dire que quand on arrive sur une scène où, où son épouse est en train d'agoniser, la première chose à laquelle on pense, c'est de prévenir les secours. Moi, je veux bien. On peut aussi penser que la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de voir par où le sang s'échappe, de se mettre à califourchon sur elle en lui disant « ne pars pas, je t'aime ». Et puis effectivement, peut-être que dans un deuxième temps, se dire qu'on va appeler les secours. Après, franchement, je vais être peut-être un peu trivial, mais je trouve que c'est du foutage de gueule. Pas d'arme du crime, pas d'aveu, pas de témoin. À part ce voisin qui a repéré Sylvain de Romard dans les vignes quelques jours après le meurtre. Il y a un voisin alcoolique, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il y a un voisin alcoolique, complètement dingue, qui en veut à Sylvain de Romard, qui effectivement, après avoir lu amplement la presse, est venu dire spontanément à la gendarmerie que ce jour-là, il avait vu la voiture de Monsieur de Romard sur le chemin de terre qui mène aux vignes et qu'il l'avait vu mettre des choses dans le feu. Ok, très bien. Il n'existe pas de preuve matérielle objective contre Sylvain de Romard. L'ensemble des éléments matériels sont finalement plus du côté de Muriel Bonin. C'est elle qui était propriétaire de la batte de baseball. C'est elle qui rachète une batte de baseball après les faits pour remplacer celle dont elle était propriétaire, qu'on ne se rende pas compte que sa batte n'existe plus. Mais la défense de Muriel Bonin fourbit aussi ses armes. Quand on prévoit de ne pas être incriminé dans un meurtre, on ne va pas acheter la batte de baseball. On ne va pas la payer avec un chèque. On prend toute une série de précautions. Madame Bonin n'est pas une sotte, donc si elle avait eu l'intention d'organiser ce crime, elle s'y serait pris autrement, et notamment par quelque chose qui est fondamental, c'est l'alibi. L'alibi. Hein ? Elle est seule chez elle ce jour-là, alors que si elle ne veut pas être impliquée dans ce crime, elle aurait passé la soirée chez une amie au moment où le meurtre était commis par Monsieur de Romard. Ça, c'est une évidence. Et puis derrière chaque élément à charge contre la maîtresse, il y a toujours Sylvain de Romard. C'est lui qui dit à Muriel de jeter le téléphone dans la Marne. C'est chez elle qu'il est allé chercher l'arme du crime. Moi, je pense fondamentalement qu'il voulait l'impliquer pour la tenir. Il passe chez elle pour prendre cette batte de baseball. Alors qu'il avait 100 fois la possibilité d'utiliser d'autres instruments, puisqu'il est menuisier. Donc s'il a besoin d'un instrument contendant pour taper sur sa femme, il n'a pas besoin d'une batte de baseball. Donc, balle au centre, Dominique, dans ce dossier où il n'y a pas de preuves matérielles directes, ce sera l'intime conviction des 9 jurés qui déterminera le sort des 2 accusés. Mais qu'est-ce que le droit entend par intime conviction ? L'intime conviction, Rachid, c'est l'article 353 du Code de procédure pénale que le président lit aux jurés avant qu'ils se retirent pour délibérer. C'est aussi ce qui est affiché dans les salles de délibérer. Absolument, systématiquement. Cet article demande aux juges et aux jurés quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Et l'article 353 leur pose cette seule question : avez-vous une intime conviction ? Au fond, ce que dit cet article, c'est qu'il n'y a pas que les preuves matérielles qui peuvent permettre de juger de l'innocence ou de la culpabilité de quelqu'un. Et le procès des 2 amants s'ouvre à Reims le 3 février 2016. Mais ce jour-là, il manque quelqu'un. L'accusé principal. 2 jours plus tôt, Sylvain de Romard avait rendez-vous chez son avocat pour peaufiner sa défense. Il était sur l'autoroute et il est passé sous un camion. Il a été donc désencastré de sa voiture, élitreillé, il a été polyfracturé.
Bizarrement, il a un accident de voiture, le pauvre homme. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il avait tenté de se suicider. Pour échapper à ses juges. Dans cette affaire, il a beaucoup à perdre, hein, sa liberté, et puis aussi la confiance et l'amour de ses deux filles, qui finalement sont les deux seules personnes qui, entre guillemets, le soutiennent. La présidente reporte le procès aux grandes dames des parties civiles. Il y a eu un moment de doute. Est-ce que le procès va avoir lieu, un jour ou pas? 6 ans qu'on attend, 6 ans qu'on espère avoir des réponses, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y avait cette lassitude, je ne crois plus en la justice est trop longue, ils vont encore s'en sortir. C'était un leitmotiv chez eux, et je peux les comprendre. La déconvenue est grande aussi pour Muriel Bonin, qui s'était préparée à ce face-à-face avec Dromard. Le fait de croiser son regard m'est très pénible, mais voilà, après, bon... Il faut y passer, et donc je vais puiser de la force. Il faut que j'aille vraiment chercher beaucoup d'énergie pour pouvoir me défendre comme il faut. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est lui? Oui. Sans aucun doute. Et je le redirai. Le procès des deux amants s'ouvre finalement le 27 juin 2016, 4 mois après ce faux départ. Sylvain Dromard est sur pied, il comparaît libre, comme Muriel Bonin. Ils arrivent comme vous et moi. J'ai devant moi Sylvain Dromard, il monte les marches de l'escalier du palais de justice, arrive dans la salle des pas perdus, discute avec les avocats. Ils sont à 3 mètres des familles de Laurence Dromard, la victime. Enfin voilà, c'est particulier. Et la scène qui est vraiment pour moi la plus marquante, c'est quand ils arrivent et l'un et l'autre s'assoient de part et d'autre du banc, mais vraiment au bout du banc chacun. Donc il y a cet espace vide entre eux deux. C'était deux chiens qui se détestaient. Pas un regard. Personne, ils ne sont pas regardés de tout le temps. Il y avait des haussements d'épaules, il y avait... C'était particulier comme ambiance. Chacun doit sauver sa peau, mais Sylvain Dromard s'y prend mal. Taiseux, froid, impassible. Même quand le légiste raconte l'horreur qu'a subie Laurence Dromard. Il voit les photos, ça lui fait ni chaud ni froid. On parle d'elle, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'a pas eu un mot d'amour pour celle qui est morte, et alors qu'il clamait son innocence. Mais bonté divine, quand on clame son innocence, on fait semblant. Même pas. Il a été tel qu'il était. Elle est morte. Je me mets à la place du juré. Vous dites quand même, il en est peut-être capable, après tout. Tous ces peut-être, la défense ne les supporte plus. Pour elle, Sylvain Dromard n'avait même pas de mobile. Il pouvait tout avoir, sa femme, sa maîtresse. Laurence tolérait ses infidélités. Reste l'argent. Mais l'argent, c'était quoi? C'était une maison, un salon de coiffure. Donc c'était rien, en fait. Pour moi, il n'y a pas de mobile réel. Il suffisait qu'il demande le divorce. Qui partagent leurs biens, comme 50% des couples en France, et il n'avait pas besoin de la tuer. Le ministère public n'est pas de cet avis. Un divorce, ça coûte cher. Et Sylvain Dromard le savait. Et puis, il avait d'autres raisons de passer à l'acte. Des raisons moins rationnelles. Je pense qu'il passait pour le méchant, puisque c'est lui qui avait des relations et qui quittait sa femme. Un divorce aurait été trop compliqué à expliquer à ses filles, trop compliqué à gérer financièrement, et que finalement, se débarrasser d'elle en la tuant, c'est la solution la plus facile. L'accusé principal laisse les différentes parties décider de son sort. Il observe, étranger à son propre procès. Lui, il est là pour... En fait, je sais même pas pourquoi il est là, en fait. Parce qu'il se défend pas. Sylvain Dromard, il est
pas là pour crier son innocence. Il est là pour dire qu'il n'est pas coupable, en fait. Pour moi, c'est différent. Il faut dire que pendant ces 5 jours d'audience, la tension est ailleurs. Mais c'était caricatural. Il n'y a que la maîtresse qui est intéressée. C'est la maîtresse qui décide. C'est la maîtresse qui décide. C'est-à-dire que je te veux, donc tu vas faire tout ce que je veux, hein, pour te débarrasser de ta femme. L'enjeu de ce procès, finalement, c'est de savoir ce qu'a fait Muriel Bonin ce jour de juillet 2010. Et avant, est-ce qu'elle a aidé à préparer? Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle a armé le bras de Sylvain Dromard? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose encore au moment du procès. D'où les actes de complicité qui lui sont reprochés, à savoir avoir aidé et assisté M. Dromard dans la réalisation du crime en achetant une batte de baseball et en se, encourageant mutuellement, on le voit par les messages téléphoniques et les SMS, à passer à l'acte pour ce plan avant le 17 juillet. En droit, on ne peut pas être complice simplement sur de tels fondements. Si elle a mis à disposition la batte de baseball, encore fallait-il qu'elle ait connaissance en fournissant cette batte de baseball qu'elle servirait au crime qui a été commis. Le problème, c'est qu'au fil des débats, Muriel Bonin donne l'image d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle se présente en victime de Sylvain Dromard. Et franchement, ça ne le fait pas, quoi. Ça ne marche pas du tout. C'est ça qui est terrible dans un procès d'assises. C'est une scène de théâtre. Et l'image a une importance capitale. Et cette image de Madame Bonin n'était pas bonne. Pour l'avocate générale, sans Muriel Bonin, Sylvain Dromard ne serait jamais passé à l'acte. Je requiers pour Monsieur Dromard la réclusion criminelle à perpétuité parce que je considère que le crime est quand même particulièrement violent. Avec une femme, je pense, qui a souffert en découvrant l'identité de son agresseur, qui a quand même été frappée à terre et qui a fini par être étouffée quand même dans une mare de sang par son propre mari. Pour Madame Bonin, je requiers une peine de réclusion criminelle à hauteur de 20 ans. Juridiquement, la complice encourt la même peine que l'auteur. Et je fais le distinguo parce que pour moi, elle n'est pas sur place, encore une fois. Par contre, elle a adhéré au projet et j'estime que sans elle, rien ne se serait passé, en fait. Mais la défense n'en démord pas et plaide l'acquittement. Chaque accusé espère quitter le tribunal comme il est entré, libre. Mais la cour est sévère. 30 ans pour Sylvain Dromard, 18 pour Muriel Bonin, qui font aussitôt appel de ce verdict. Un an après, c'est donc avec les menottes que les deux amants arrivent à la cour d'assises de Troyes. Elle a pris 10 ans, le visage est très marqué par cette année passée en prison. Elle a les cheveux blancs, le visage émacié, très très marqué physiquement. C'est terrible, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle décroche et qu'elle ne va pas m'aider dans la défense. Elle est au fond du trou. Le contraste est saisissant. Mais les jours défilent et les audiences se ressemblent. Les mêmes faits arrivent, les mêmes experts parlent. Il y a les mêmes questions, il y a les mêmes faits troublants. Mais autant pour Muriel Bonin que pour Sylvain Dromard. Jusqu'à la veille du verdict, ce jour où Dromard décide tout à coup qu'il a des révélations à faire. Il veut dire la vérité maintenant. Il a effectivement croisé à la sortie de chez lui Muriel Bonin avec son frère et qu'en fait ce sont les responsables de la mort de sa femme. C'est la version du désespéré, en fait. Quand tout vous accule, il y a toujours un accusé pour dire « Non, mais en fait, il s'est passé ça, alors qu'il n'a jamais rien déclaré qui allait dans ce sens. Ça marche ou ça marche pas, en général, ça marche pas. » Et donc, là, ça n'a pas marché. De fait, Sylvain Dromard ne convainc personne, ni les magistrats, ni les parties civiles, pas même ses filles. Avec ses révélations de dernière minute, le mari perd toute crédibilité. Par contre, ça a aidé le clan de Muriel Bonin. C'est encore le pervers narcissique manipulateur
qui nous joue sa dernière carte. Pauvre femme éprise de ce goujat. C'est ça, c'est du pain béni pour Muriel Bodin. Le délibéré est court, 2h45. Quand les jurés reviennent, la salle s'attend au même verdict. La défense rêve encore d'acquittement. On a toujours de l'espoir jusqu'au bout. Alors on a le cœur qui palpite lorsqu'on doit revenir à la salle d'audience et que le délibéré arrive et que accusé, levez-vous. Enfin, c'est terrible pour l'avocat de la défense. La peine de Sylvain Dromard est confirmée. 30 ans. Est-ce que Madame Bonin est coupable du crime de complicité d'assassinat? Et la réponse à ce moment-là, c'est non. Acquitté. Là, il y a une petite sidération, en fait, il y a un grand... Et Muriel Bonin, la première, en fait. Elle comprend, je la regarde, elle comprend pas. Elle me dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais madame, vous êtes acquittée. Et là, elle s'effondre totalement dans des circonstances d'émotion que j'ai encore en souvenir. Hein, mais vraiment, c'est extrêmement fort, parce qu'en plus, il y avait une femme qui était chargée d'assurer son escorte et qui a fondu en larmes également. Donc c'était vraiment un grand moment. Sylvain Dromard repart immédiatement en détention. Les journalistes suivent Muriel Bonin pour sa levée d'écrou. La justice a parlé. Elle est innocente. Je me suis battue pendant ces 7 années. Il y a eu des moments où je baissais les bras, j'y croyais plus. Mais enfin, voilà, je me dis, c'est... Voilà, il y a une justice et... Vraiment, merci. Innocente et libre, Muriel Bonin est sortie meurtrie de ses 7 années d'instruction et de ses 2 procès d'assises. Sylvain Dromard, lui, a mis fin à ses jours.